Salut, salut les amis, bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, nous allons faire une sauce de poisson roulé aux crevettes et au riz. Il va s'accompagner, n'est-ce pas, de la chou-fleur, du brocoli. Je vous rappelle que cette sauce contient de la sauce hollandaise. Oh là là, le goût de ça. Restons connectés pour la recette. Pour réaliser notre riz, nous avons besoin de l'eau, deux petites noix de beurre, une cuillerée à soupe d'huile d'olive, comme vous le voyez, du sel, selon votre convenance, et un peu d'oignon haché. Nous avons lavé notre riz, changé de l'eau de lavage au moins 4 fois. Après avoir lavé le riz, nous allons ajouter, n'est-ce pas, dans notre eau bouillante. Nous allons bien délailler notre riz, pour qu'il ne colle pas. Nous allons le recouvrir du papier bac pour le fermer hermétiquement. On va réduire le feu à 3. Là, nous avons du poisson. Après avoir lavé nos poissons, nous allons ajouter du sel. Ici, nous avons du basilic, du romarin et du thym frais. Là, nous allons mettre du sel aromatique comme chef. Ajouter du jus de citron. Bien mélanger le tout, également de la sauce soja, un peu d'huile d'olive pour fixer nos aromates. Voilà, et bien mélanger. Là, nous avons du romarin, du basilic et du thym frais. Gratiner nos oignons avec un peu d'huile d'olive. Nous allons également ajouter deux carottes. Grossièrement éplucher nos carottes, gratiner nos oignons, ça sent bon. Et maintenant, nous allons disposer nos poissons là par-dessus, entièrement dans la sauce. Bien remuer notre sauce, sans crainte, parce que les poissons ne vont pas se détruire. Toujours les épices comme chef. Avec ça, on ne tape jamais un poteau. Allons sagement y ajouter de l'eau. Ajouter 20 g de beurre dans notre sauce. Laisser encore 5 minutes. Là, nous avons du chou-fleur et du brocoli. On va le cuire pendant exactement 3 minutes. Dans une noix de beurre et un peu de jus de citron par-dessus le poisson. Et on va également ajouter un peu d'herbe fraîche. À la fin, je vais ajouter un peu d'huile pimentée. Parce que nous mangeons pimenté et nous tendons le pas à la fin de notre préparation. Voilà les amis, notre sauce de poisson crevettes. Ils vont se manger avec du riz et du brocoli chou-fleur. Ne gardez pas le secret pour vous tout seul. On va, n'est-ce pas, le déguster avec une bonne sauce hollandaise. Nous avons ajouté de la sauce hollandaise et ça veut dire que nous sommes déjà à la fin de notre préparation. Voilà les amis, notre sauce de poisson aux crevettes. Ils vont se manger avec du riz. Vraiment délicieux. Nous avons tout besoin des brocolis. Coucou les amis. Voilà, n'est-ce pas, notre recette du jour ainsi terminée. Likez si vous avez aimé. Partagez la recette. Ne gardez pas le secret pour vous tout seul. Et on se dit à demain pour la recette du jour. Wie? Ich.